ballate, a ballate, femmini schiette maritati, e sono a ballate, con io non vi canto e non vi suono. A ballate, femmini schiette maritati, e sono a ballate, con io non vi canto e non vi suono. Su, 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 quando femmini cacci su, cinne quattro scavazzati, ni facemo che patati, cinne quattro maccatelli, ni facemo che piselli. Ce sont des chansons déjà que mon père chantait depuis toujours, parce que mon père c'était plus la variété, la chansonnette. Du côté de ma mère c'était l'opéra, et moi j'étais encore là une fois balancé entre les deux. Et donc j'ai entendu ça toute ma vie. Il y avait des chansons par exemple avec des tas de couplets où chacun pouvait chanter. Alors tout d'un coup il y avait mon grand-père qui se mettait à chanter un couplet, et puis ensuite le couplet d'après c'était ma tante, et puis un cousin. Et donc ça devenait des sortes de chorales comme ça, familiales, assez extravagantes. Voilà, donc j'ai un souvenir joyeux de toutes ces chansons. Ça s'adresse aux Siciliens dans le monde. C'est pour eux ce disque. Puisque c'est eux qui sont touchés par ces chansons-là. Ce sont toujours des chansons de gens qui ont quitté cette terre merveilleuse de la Sicile, le parfum des fleurs. Quand on arrive en Sicile, on est émerveillé par tout ce qui nous entoure, les senteurs et tout ça, c'est très fort. Et on a ça dans ces chansons. Et dans ces chansons, on parle toujours du soleil qui habille d'or les jardins et les fleurs et les figues de Barbarie qui sont là avec ces couleurs chatoyantes, très fortes et tout ça. Donc voilà, c'est un pays qui est très coloré. Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, nemmeno il cielo che ci guarda dallassù. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. È un grande amore, mai più grande esisterà. La chanson du parrain, c'est plus quelque chose de symbolique là, dans ce disque. C'est pas quelque chose, c'était pas incontournable, mais on la met plutôt comme une sorte de symbole de tous ces italo-siciliens, américains et tout ça. Voilà. La version locale, ouais. Et des fois il mangeait des temps, c'est-à-dire. C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, ma in mare d'ari. Mamma mia, pensarci tu. Ils font ça. La deuxième partie. Et c'est vachement bien. Parce que c'est une fois long et une fois court. Tu vois ? Tout le monde connaît les mélodies napolitaines, tout le monde, et personne ne connaît ces mélodies siciliennes. Sûrement pour des raisons historiques, je crois beaucoup aussi pour des raisons d'interprète. Je crois qu'il y a toujours un déclenchement à un moment donné. Il y a un soliste, une âme, un chanteur qui décide de développer un répertoire parce qu'il lui est cher, parce qu'il fait partie de son histoire. Et j'ai l'impression,
Moi, j'ai l'impression d'être juste un petit passeur et d'être un accompagnateur sur ce projet. J'essaye de suivre Roberto dans ses envies et je sens bien que ce projet, il est viscéral pour lui. Il raconte ce qu'il est et que son empreinte, il y a ce désir de marquer de son empreinte ce répertoire et de le développer et de le faire partager au monde entier. Il y a vraiment ce qu'est Roberto, c'est-à-dire cette ouverture sur le monde. Ce qui est formidable dans ce disque, surtout, c'est la différence de style d'un morceau à l'autre. C'est qu'en même temps, on voyage à travers les siècles, c'est-à-dire à travers toutes les invasions siciliennes. C'est-à-dire que vous savez que c'est une île qui a été conquise par des tas de peuples, les Carthaginois, les Grecs, les Romains, les Arabes, les Normands, les Phéniciens, les Français. Tout le monde est passé par là. Et donc, vous avez dans chaque chanson une influence de tous ces pays. Tout Alania est dans ce disque. Sa grande vitalité, son enthousiasme incroyable, sa sensibilité, sa force vocale, mais aussi cette variété de tous les instants, de timbres, cette liberté, cette manière d'être dans le rythme, mais être dans l'émotion la plus totale, dans la ligne de chant la plus contrôlée, et aussi dans la manière la plus déstructurée de chanter, l'abandon total. D'un coup, un chanteur, on a l'impression d'avoir un chanteur corse, et le lendemain, un chanteur africain, et puis d'un coup, le chanteur d'opéra qui revient. Pourquoi ? Pour servir quoi ? Une seule chose, la musique. Je crois que c'est le disque qui me ressemble le plus. C'est le disque où je me dévoile totalement, je pense. Et je pense que c'est peut-être le seul disque que je vais écouter. C'est-à-dire que les autres disques, je les écoute pour les travailler, en tant que professionnel. Celui-ci, je vais l'écouter pour me faire plaisir et pour partir ailleurs, quoi, dans le passé, pour partir dans mes souvenirs. C'est un disque que je vais écouter avec plaisir. Ni facemo che vi secchi. Ti ha ballati, uomini
femminischette maritati, essere a ballati, buoni, non vi cante, non vi sono. A ballati, femminischette maritati, essere a ballati, buoni, non vi cante, non vi sono. Su, 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 quando uomini cacci su, cinque e quattro scavazzati, ni facemo che patati, cinque e quattro ammaccatelli, ni facemo che mi senti.